начинаем передачу. Давай приходи, мы тебя ждем. Aujourd'hui, vous allez découvrir toute l'actualité culinaire de la semaine dans cette émission Miam Yam. Dans ce numéro, je vous présente une experte en nutrition, Lely. Bonjour. Bonjour, Mathilde. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? J'ai pour vous une salade très simple qui s'appelle une salade méditerranéenne. Il est très simple, pauvre en calories et riche en vitamines. C'est parfait. De quoi a-t-on besoin? On a besoin de l'oignon, des tomates, des concombres, des olives, d'huile d'olive et du fromage de brebis. Oui, j'adore ça. Maintenant, on va commencer la préparation. Je vais vous aider. D'accord. Premièrement, il faut laver et couper les tomates et une salade. Puis, on prend les concombres et on les épluche et puis on les coupe. D'accord. Mais avant de continuer avec notre recette, je vais vous présenter un sujet sur le danger du fast-food. Bonjour, on est venu chez mademoiselle Perebiokina. Voilà, c'est son appartement et donc je frappe à la porte. Expliquez-nous pourquoi vous nous avez invités aujourd'hui. Bon, j'ai des problèmes. J'étais toujours svelte et belle, mais puis un jour, dans notre ville, il a ouvert McDonald's. Et puis, il a changé ma vie. J'ai grossi. Vous voyez? C'est mon vieux jean. Je ne peux pas l'enfiler. Je ne suis pas que faire. Quelle horreur! Ne pleurez pas, on peut vous aider. Donc, pour être en bonne forme, il vous faut trois choses. La volonté, une alimentation équilibrée et le sport. Et comme vous avez déjà la volonté, il nous reste une alimentation équilibrée et le sport. Moi, je suis votre entraîneur et Lely, votre diététicien. Le changement, c'est maintenant. Bye.
Вы в прямом эфире, что вы делаете? Eh bien, on est de retour sur le plateau de Miam Yam et on va continuer avec notre recette de salade méditerranéenne. Maintenant, il faut assaisonner tout d'huile d'olive. J'aimerais dire deux mots sur l'huile d'olive, tu peux? Oui. Le choix de l'huile d'olive est devenu presque aussi lourd que le choix du vin. Le marché n'est pas très faible et il vaut mieux ne pas acheter son huile les yeux fermés. Il y a beaucoup de conseils pratiques pour bien choisir son huile, pour bien la conserver. Il faut savoir que le prix n'est pas toujours un gage de qualité, c'est plutôt un critère de rareté. Quel arôme! Je pense que cette huile est très bonne. Il nous reste d'ajouter le fromage coupé. Voilà, la salade est prête. Leïli, merci d'être venue à notre émission. Merci à vous pour votre invitation, c'est toujours plaisir. Bon appétit à tous. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro. À bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.